Tchoupi. Au pays de Tchoupi, on rigole bien avec la loutre, Doudou et les copains. Attention, attention, ça commence. Ce matin, il fait beau, venez chanter ce refrain. La 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 la. Viens rigoler avec tous tes amis, on va s'amuser. Bienvenue au pays de Tchoupi. Le sapin de Noël. À toi, Doudou. Mets la guirlande. On a fini notre sapin de Noël. Il est beau, hein? Pilou va le trouver beau, lui aussi. Qu'est-ce que c'est que ce sapin? Il est décoré n'importe comment? Non, il est très réussi. On a tout fait, nous, tout seuls. Bah, moi, le mien, il sera beaucoup plus beau. Et pourquoi le tien, il serait plus beau? On parie? On n'a qu'à dire que celui qui aura le plus beau sapin de Noël gagnera tous les cadeaux de l'autre, d'accord? Papa, tu peux aller nous acheter un vrai grand sapin? Un vraiment très grand, le plus grand du monde. Et qui va terminer de fabriquer mes pâtes de fruits? Ben, nous, on pourra t'aider. Allez manger, hein, Doudou? Oh. Ah. Je t'avais bien dit qu'il serait trop grand, Tchoupi. Mais non, il est juste parfait. Merci, papa. Va finir les pâtes de fruits. Nous, on va décorer l'arbre tout seul. Mais comment on va le décorer? Il est tellement grand. Bonjour, Tchoupi. Lalou, tu nous aides à décorer le sapin? On a fait un pari avec Pilou. Il faut qu'on ait le plus beau sapin de Noël. Elle est où, la lumière? J'y vois rien. Ça va, Doudou? Vite, il faut les ouvrir. Il y a tout pour le sapin dedans. Achou! 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 Aide-moi à arrêter d'éternuer. Achou! Pince ton nez. Ah, merci. Ça va mieux. Des boules, des petites luges, de la neige. Oh, des guirlandes, des lutins, des sabots.
faut que notre sapin soit aussi brillant que celui de Pilou. Mes cadeaux sont en jeu. Mais comment faire avec ces guirlandes qui s'allument plus? Tu sais, toi, comment réparer des guirlandes? À ton avis, j'ai besoin d'un marteau, de colle super forte, ou il vaut mieux que j'appelle mon papa? Oui, tu as raison. Je vais appeler mon papa. C'est le plus super réussi sapin que j'ai jamais vu. Il est beau, hein? Très beau, mon chéri. Bon, on va aller voir celui de Pilou. Mais il est en plastique, ton sapin. Déjà tout décoré. C'est de la triche. C'est trop facile. T'as rien fait. Si, regarde. C'est moi qui le fais marcher. C'est quand même de la triche. Oh non! Où le Père Noël va mettre mes cadeaux? C'est pas grave. Mon sapin, il est tellement grand qu'il pourra y mettre aussi tes cadeaux. T'as gagné, Tchoupi. Ton sapin, c'est le plus beau. Mais pour mes cadeaux... On verra ce que fera le Père Noël. De la luge. Tu vas voir, on va bien rigoler. Et ton chocolat chaud? J'ai pas le temps, j'ai plein de luges à faire et il me faut une bonne piste. Pas de hors-piste dangereux, Tchoupi. Non, juste une bonne piste. Oui, mais tu ne vas pas trop près des arbres, promis? Promis, papa, promis, maman. Doudou, qu'est-ce que tu en penses? Elle a l'air bien comme piste. Elle est pleine de neige et il n'y a même pas d'arbres. Je te mets devant, mon doudou, que tu vois bien la descente, que tu t'amuses encore plus. Vous me regardez, hein? Ben, ma luge, elle a disparu. Et Doudou aussi, il a disparu. Doudou, t'es où? T'es où? Chante avec moi. T'es où, petit voyou? T'es où? Pour retrouver Doudou. Allez, t'es où, petit voyou? T'es où? Encore. T'es où, petit voyou? T'es où? Oh oui! Sauvé, petit voyou! Un peu de chaleur, mon doudou. C'est la faute de la piste. Il faut une piste plus dure. Attention, pas trop loin, jeune cascadeur. Non, non, là, dans le chemin, la neige est plus dure. Elle est dure, hein? On va aller super vite. On va aller plus vite, nous. Allez, fonce, la loupe. Pour aller plus vite, prends la même position que nous. Penche-toi en arrière. C'était trop bien. Vite, on recommence. Yeah.
c'est fatigant. Il manque un peu des tire-fesses pour remonter. Ouf, comme au ski. Je sais à qui je vais demander. Merci le tire-fesses. Enfin le tire-luge plutôt. Le tire-luge, il faut revenir. Encore? Ah bah oui. Oh. Petite pause, please. Faut pas qu'il tombe en panne en pleine montée, notre tire-luge. Il faut encourager papa. Dis, allez papa, avec moi, pour que papa retrouve des forces. Allez papa, encore. Allez papa, allez papa. Waouh! J'ai jamais vu un tire-luge aussi rapide. Bravo papa. C'est rigolo, ça tape les fesses. Oh, oh, le tire-luge a besoin de repos. C'était super la bosse. Je veux le refaire. Ben oui, on n'a qu'à en fabriquer une. Une grosse. Il faut une piste plus raide. Là, c'est bien en pente. Tu fais ta bosse et moi je fais la mienne, d'accord? Choisis laquelle maintenant. Il faut prendre celle qui fera sauter le plus haut. Tu m'aides à choisir la bosse qui sera la plus amusante? Oui, tu as raison. La plus grosse, elle va nous faire sauter très haut. Atterrir. Tu sais, toi, comment atterrir sans se faire trop mal aux fesses? À ton avis, j'ai besoin d'un parachute. Je remue les bras et je vole. Ou je mets les mains sous mes fesses pour amortir un peu. Oui, tu as raison. Je vais mettre mes mains. Ça me fera moins mal aux fesses. Faut pas abîmer le bébé sapin. Vite, penche-toi sur le côté comme nous pour ne pas lui faire de mal. Choupi, on t'avait dit de ne pas faire de la luge près des arbres. Ça peut être dangereux. J'ai pas fait exprès. C'est le petit sapin, il s'est mis devant. C'est pas grave, il va bien. J'ai faim, moi. Il reste des croissants. La montagne, ça creuse. Bonhomme de neige. Papa! Papa! C'est l'heure de la bataille de boules de neige. On est à la neige. J'aime trop. Papa? Papa! Mais t'es où, papa? T'as peur? Pas de papa.
Mais il y a Doudou. On va faire une bataille de boules de neige. Ça va chauffer. Mais Doudou, t'es où? Doudou, Doudou, t'es où? Vite, aide-moi à le chercher. Le premier qui le trouve a gagné. Tu l'as vu? Oui, il est là. T'as gagné. Il dort encore. Vite, dépêche-toi. Il y a plein de neige pour s'amuser. Choupi, tu ne sors pas sans écharpe. Il fait très froid dehors et je ne veux pas que tu tombes malade. Oh non, je veux pas cette écharpe. Elle pique. Mais Choupi, tu auras bien chaud comme ça. Mais elle pique. Moi, je veux l'écharpe verte. La toute douce que mamie a tricotée. Ma verte. Je ne la trouve pas. Et puis, ne fais pas le difficile, Choupi. Si tu veux sortir, tu mets ton écharpe. Oh, mais elle gratte. Tu aimes les écharpes qui grattent, toi? On va se gratter partout pour montrer à Malola que l'écharpe gratte très 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 fort. Vas-y, gratte-toi partout avec moi. Encore, on doit se gratter partout partout partout. Elle est toute douce et elle sent bon le parfum de ma maman. Comme ça, Doudou, toi aussi tu auras bien chaud. Qu'est-ce que tu fabriques, Doudou? Je t'attends pour la bataille. Vas-y, Doudou. Flip, flap, flop, bas des bras et envole-toi. Vas-y, chante avec moi. Flip, flap, flop, bas des bras et envole-toi. Allez, flip, flap, flop, bas des bras et envole-toi. Encore. Flip, flap, flop, bas des bras et envole-toi. Une dernière fois. Flip, flap, flop, bas des bras et envole-toi. T'as vu ça, Doudou? Toi, t'es un tout petit ours. Mais cette empreinte-là, elle ressemble à celle d'un très grand ours géant. Waouh! Une empreinte comme ça, ça ne peut être que celle de l'abominable homme des neiges. Doudou, il faut absolument réussir à le voir. Tu as une petite idée, toi, de comment on pourrait faire pour voir l'abominable homme des neiges qui fait très peur? Il faut crier très fort son nom dans la vallée. Il faut prendre un grand chien qui va renifler partout pour trouver sa trace. Ou il faut suivre ses empreintes. Mais oui, bien sûr! On va suivre les empreintes et découvrir l'abominable homme des neiges. Yahoo! Doudou, chut! Il faut pas faire de bruit, sinon il va s'enfuir. T'as vu ça, Doudou? Les empreintes, elles vont jusqu'au bonhomme de neige. Tu crois que ce sont les siennes? Oh! L'abominable homme des neiges est un bonhomme de neige! Même pas peur d'un bonhomme de neige, moi. On va aller voir l'abominable bonhomme de neige de plus près. Et Doudou, t'as vu ça? Il a mon écharpe verte, celle qui gratte pas et qu'on a trouvée nulle part. Tu crois que l'abominable bonhomme de neige a volé mon écharpe? Oh, hein, c'est pas vrai. Oh, oh, mais non, hein. Tu vas tenir maintenant. Ben, c'est qu'un bonhomme de neige, après tout. Il peut pas être bien méchant. Il faut qu'on aille voir. Tu m'encourages, dis? Tu cries. Vas-y, Choupi, t'es le plus fort du monde. Allez, crie. Vas-y, Choupi, t'es le plus fort du monde. Bon, d'accord. Si tu le dis, je suis le plus fort du monde. Alors, j'ai peur de rien. Ça y est, et voilà. Oh là là, Choupi.
Qu'est-ce que tu m'as fait peur? C'est moi qui voulais te faire une surprise en te construisant un beau bonhomme de neige. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire tenir ce satané balai. Mais c'était toi alors, l'abominable homme des neiges? Ce sont des raquettes. C'est plus facile pour marcher dans la neige. Tu me les prêtes, dis? L'abominable doudou des neiges, le tout petit ours qui fait jamais peur. D'accord, si tu t'habilles bien chaudement. Oui, super, merci maman. Tu viendras me voir avant de sortir, compris? Tiens, attends-moi là. Regarde maman. C'est très bien mon Choupi, mais tu as oublié ton bonnet. Oh oui, je le mets tout de suite. Oh, c'est magique la neige. T'es minus, doudou. Et moi, je suis géant. Miam. Ça va, mon doudou? Tu sais, j'ai une idée. Oh, mon doudou, tu vas pas geler, hein? Et voilà, c'est fini. Te plaît pas? T'as raison. Il faut trouver des trucs pour le décorer. Doudou va le trouver joli, c'est sûr. Mais il est où, Doudou? Doudou! Oh! Doudou! Doudou! Oh! Doudou! Tu sais, tu m'as fait drôlement peur. Faut plus se quitter. Viens, on va finir notre bonhomme de neige maintenant. Bravo, mon doudou! Il est encore plus joli comme ça. Mais il est tout nu, c'est vrai. Il va prendre froid, le pauvre. Et voilà. Alors, doudou, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Oh. Oh. Pas vrai, Choupi s'est déshabillé par ce froid glacé. Mais où est-il donc passé, ce coquin?
C'est vrai, c'est un beau bonhomme de neige, Tchoupi. Mais quelle idée de lui prêter tes vêtements. Il ne craint ni le froid, ni les rhumes, lui. Il craint seulement de fondre au soleil. Je voulais vous faire une surprise, moi. Tu sais, mon chéri, tu dois rester bien couvert quand tu joues dans la neige. Allez, on rentre maintenant, tu as besoin de te réchauffer. Ah, ce qu'on est bien ici, il fait chaud. Oh, attends, tu vas voir, c'est pas froid comme des balles de neige, les coussins. Oh, même que c'est plus doux. Comme ça. Hein, Pilou? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plus jouer parce que j'ai gagné? Oh! D'abord, t'as triché. C'est même pas du jeu. Si t'as gagné, c'est parce que t'avais Doudou avec toi. T'étais plus lourd, alors ça allait plus vite. C'est même pas vrai. D'abord, j'étais freinée parce que, à cause de Doudou, je m'enfonçais plus que toi dans la neige. Tu connais rien en glissage, toi. Non, c'est toi le mauvais joueur. Oh. Pilou? Oui? Tu crois que c'est par là, la sortie? Non, par là, c'est mon nez. Oh là là, c'est froid dans mon cou. T'as vu à quelle vitesse on a glissé? C'est parce qu'on était très lourd. Tu avais raison, Pilou. À deux sur la luge, on va être deux fois plus vite. On recommence alors? Oh oui, c'était trop bien. Hein, Doudou? Mais où elle est passée, la luge? Se faire gronder. Juste comme on avait trouvé comment battre des records de vitesse. On n'a plus rien pour glisser. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bonjour les enfants. Oh, ne t'inquiète pas, Pilou, c'est le voisin. Il apprend à faire du ski. Oh, est-ce qu'il a glissé vite avec son blouson? Mon papa, il a presque le même. À vos marques, prêts, partez! Ça glisse encore mieux que la luge. Et en plus, c'est moins lourd à remonter. Les enfants, venez, c'est l'heure du goûter. Oui, on arrive. Oui. L'essentiel, c'est que vous ne soyez pas blessés. Dans la
neige fraîche, on se fait pas mal. Dis, mon papounet, t'es triste pour ta luge? Non, Tchoupi. J'espérais qu'elle durerait un peu plus longtemps. Tu sais, elle était très jolie, ta luge, mais un peu fragile. Surtout pour des champions. Top là! Bon, eh bien, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais de ce pas au village acheter une vraie luge. Une luge de compétition, incassable. Hourra! Hop, 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 hop. Bon, à tout de suite, les champions. Oh! Tchoupi! Tchoupi! Il faut en garder un peu pour le Père Noël. Il aura peut-être faim cette nuit. Dis, maman, il va m'apporter quoi comme cadeau le Père Noël ce soir? Ne fais pas ça, Tchoupi. Tu risques de tomber. Est-ce que je pourrais lui faire un bisou, Père Noël? Il va aussi apporter un cadeau à Doudou. Est-ce qu'il vient en voiture? Il arrive bientôt? Écoute, Tchoupi, tu me fatigues avec toutes tes questions. Va donc finir de décorer le sapin. C'est mieux ici, Doudou? Ou alors là? J'ai trouvé! Là, c'est parfait! Voilà! J'espère que ça va plaire au Père Noël! Ça y est! C'est le Père Noël! Bonsoir, Tchoupi! Bonsoir, Mamie Nani, Papy Chat! Non, t'es pas content de nous voir, Fripouille? Bonsoir, tout le monde! Allez, à table! Mais alors, il vient quand, le Père Noël? Bon, j'espère que vous avez faim. Tout ça m'a l'air délicieux. Maintenant, joyeux Noël! Joyeux Noël! Cette dinde est exquise, tiens, Tchoupi. C'est vrai qu'elle est belle. Père Noël. Le Père Noël va bientôt arriver maintenant, c'est sûr. Allez, Tchoupi. Au lit, c'est l'heure maintenant. Je suis pas fatiguée. Et puis d'abord, je veux pas dormir. Pas d'histoire, Tchoupi. Le Père Noël n'aime pas les capricieux. T'inquiète pas, Doudou. On va pas s'endormir. On va faire une belle surprise au Père Noël. Ça va. Il s'est endormi. On y va, Doudou. Cadeau. Il y a quelqu'un? Oh! Pas de Père Noël. Il faut encore attendre. Et si le Père Noël m'oublie? Il va être drôlement
surpris le Père Noël. Cadeau te plaît? Oui, mais le Père Noël a oublié de mettre des freins à mon vélo. Dérapage contrôlé. Nous, on aime ça, se rouler comme ça dans la neige. Vous venez? La mare est tellement gelée qu'on peut faire des glissades dessus. Non. Allez, on fait encore une descente. Moi, tu sais, j'en ai marre de faire de la luge. Oh, la loup. Une petite dernière. C'est la troisième fois que tu dis ça, que c'est la dernière descente. Maintenant, si on allait jouer avec Pilou? Tu sais, Doudou, il aime pas ça, les glissades. Et tralala. Fais comme tu veux, mais moi, je vais faire des glissades. Oh. Choupi, regarde. Et voilà. Yahoo. Et tu parles, n'importe qui en ferait autant. Yahoo, oui. Il m'énerve. Viens, Doudou, puisque c'est comme ça, on va faire une autre descente, rien que nous deux. Oh. Tu vois, c'est facile, tu n'as qu'à te laisser glisser. C'est toi, Doudou, je te laisse t'installer devant. C'est toi le pilote, Doudou. Oh. Tu vois, tu glisses, hein. Vas-y tout seul maintenant, Doudou. Oh. Oui. Oui. Tant pis alors, je peux très bien m'amuser tout seul. Nous, Choupi. On va finir par croire que tu sais pas faire les glissades. C'est vrai? Tu sais pas faire les glissades? Bien sûr que oui, je sais les faire. Ben alors, Choupi, qu'est-ce que t'attends? Hein, montre-nous. Je n'ai pas envie. Mais voyons, Choupi, fais-nous plaisir. Il sait pas les faire, il sait pas les faire. Ah, tu crois? Alors regarde ça. Très impressionnant, oui. Bravo, champion. Attends, pas comme ça. Et je vais t'aider. Non, laisse-moi tranquille, toi. J'en ai assez. Vous n'avez qu'à vous amuser sans moi. Mais c'est ta faute aussi. T'avais qu'à le dire que tu savais pas les faire, c'est tout. Tu veux pas laisser la loup jouer toute seule, dis donc.
J'aimerais beaucoup faire des glissades avec toi. Non, moi, c'est la luge. On peut pas toujours faire tout ce que toi, tu veux. Allez, viens, je te tiendrai par la main. Bon, d'accord. Wouh! Viens, c'est amusant. Un soleil pour la loupe.